Après 3 ans d'attente, le championnat national canadien de tir au poignet a fait son grand retour. Les hommes, les femmes et les jeunes les plus forts de tout le pays se sont retrouvés à Winnipeg pour une compétition qui a accueilli plus de 500 participants. L'équipe de la Liberté a suivi cet événement. Pour cette importante compétition, nous avons suivi le parcours de José Morneau et sa fille Jasmine. À 48 ans, José Morneau est très connu dans ce milieu. 40 fois championne canadienne et une fois championne du monde, José Morneau est aussi la présidente de l'association manitobaine de tir au poignet. Nous avons assisté à leur entraînement. Ok, fait que là, on va juste aller, faire va-et-vient, ouais. Juste pour se réchauffer. Ok, comme ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pratiquer tes départs, ok? Mettons que ça sera un match, mais là, moi, je vais juste y donner un petit peu de pression, mais elle va me descendre. C'est pour la renforcer. Parce qu'habituellement, elle ne pourrait pas me descendre. Pas encore. Ouais. Prêt, go! Prêt, go! Go! La poignée, on est supposé d'avoir les doigts plats. Okay. Il y en a là, qui font ça. Ça fait mal, comme c'est moi, là, pas gentil. Comme il y a des cicatrices que j'ai ici, là, ça c'est des femmes que, yeah, c'est qui ont rentré leurs doigts, là, qui ont rentré leurs ongles. Oui. Ça dure jamais très longtemps, le. Oh, des fois ça dure longtemps. Ben, il y en a qui ça dure longtemps. Ah, oui? Oh my God! Mais il y en a qui sont tellement solides, puis que... Tu sais, ils vont tenir pendant longtemps, puis ça peut durer longtemps. Mais comme moi, habituellement, là, ça prend une seconde, deux secondes max. Plus, c'est jamais bon quand ça dure, en fait. Faut pas ça fait mal, là. Ouais. Tu peux te... Comme, c'est drôle, parce que là, au championnat canadien, j'ai une de mes amies, Christine. Elle, je te dis, quand on se rencontre, là, oh, je te dis, c'est des matchs qui durent, là. Puis on se brûle. OK, avance ton épaule un petit peu. Parfait. Concentre-toi, là. OK? Là, je veux que tu fasses fort, là, puis vite, OK? Ready, go! Tu sais, là, c'est... Oui, mais ça dure une seconde. Ouais. Go! Mais toi, c'est ça qui te fait vivre, en fait. C'est cette compétition et sentir... Oui, d'avoir des défis qui... puis des compétitions. C'est ça qui... Qui t'anime. Qui garde... Tu sais, l'adrénaline, là, puis, tu sais, parce qu'il faut que tu aies des buts. Mais sans ça, s'il n'y a pas de compétition, s'il n'y a rien, qu'est-ce que ça donne de s'entraîner? Oui. Qu'est-ce que ça donne? Fait que moi, j'ai, tu sais, vu que je fais trois sports, là, puis là, en plus, j'entraîne ma fille pour le tennis, oui. Tu sais, ça me garde, là, tu sais, là, c'est le fun, puis oui. Ça me fait voyager, puis je suis rendue à 20, je pense que c'est 29 pays que je suis allée dans le monde. Fait que, tu sais, c'est le fun. C'est Jasmine, 11 ans, qui s'est lancée en première. Deux catégories pour elle. Les 11 à 14 ans, 60 kilos chez les filles, main gauche et main droite. Après plusieurs combats éprouvants, physiquement et mentalement, contre son ami et partenaire d'entraînement Brielle, Jasmine a fini par remporter les 2 médailles d'or. À son jeune âge, elle compte désormais 40 médailles dans ce sport. And the same two on the right arm. Second place, Brielle Leroux-Lavelle. And your winner from Manitoba, Jasmine Morneau! Le reste de la fin de semaine était donc consacré aux adultes. José Morneau entre en piste. Pour ce concours, la championne est engagée dans 8 catégories. Malgré quelques déceptions, dues notamment à un bras droit légèrement blessé, qui ne lui a pas permis de développer toute sa puissance, José Morneau finit la compétition avec 4 nouvelles médailles.
main droite, main gauche chez les femmes de 80 kg et main droite, main gauche chez les femmes de 80 kg dans la catégorie des maîtres. José Morneau a désormais 44 médailles au niveau national. Elle et sa fille ne comptent pas s'arrêter et préparent déjà de nouvelles compétitions.